Pierre Gasly a dressé jeudi un bilan positif de sa première journée. Les premières sensations me rendent heureux. On a réussi à exécuter l'essentiel de notre programme et la voiture a bien réagi. Il y a beaucoup de nouveaux paramètres et de nouvelles choses à apprendre pour moi avec ce changement d'équipe. De nouveaux ingénieurs, une nouvelle voiture, un nouvel environnement, de nouvelles méthodes. Tout est nouveau et je dois m'habituer à ce nouvel environnement, mais jusqu'à présent, je suis vraiment content de la manière dont l'équipe m'a accueilli et dont la préparation s'est déroulée. On n'a pas vraiment cherché la performance, plutôt faire des tours et essayer d'avoir une visibilité d'ensemble de la manière dont fonctionne la voiture et dont elle réagit aux directions prises, ainsi qu'identifier les faiblesses sur lesquelles travailler. Je suis plutôt heureux, car c'était très évident pour moi, concernant l'équipe, de la voiture que je veux, et la manière dont je veux m'améliorer, dont je veux l'améliorer, savoir quelles sont les forces aussi. C'est toujours bien, et la voiture réagit bien à ce que l'on change, ce qui est toujours bon signe pour dire que la voiture est bien née. Bon, la voiture serait bien née, ça se voit pas sur les chronos, mais bon, apparemment ils avaient de l'essence. Ce serait irréaliste de penser que je serai à 100% dès la semaine prochaine, mais me connaissant, je sais que je vais redoubler d'efforts et que je serai proche de la limite. Je sens déjà que je peux comprendre la voiture assez rapidement. Il me faudra quelques week-ends pour être à 100% et pour que tout devienne automatique, et pour que la manière de travailler avec mes ingénieurs devienne plus familière, que l'on parle le même langage concernant l'équipe de la voiture. Il faut un certain nombre de courses pour comprendre quel est exactement le type d'équipe que j'aime. Ça va prendre quelques week-ends, mais je suis convaincu de pouvoir être tout de suite performant. Eh bien, on verra ça, Pierre. Du coup, par rapport à ton équipier. Allez, je vous laisse commenter.